Bonjour à toutes et bonjour à tous. De nouveau une petite vidéo pour parler d'un petit jeu. Cette fois, ce sera le jeu Aces of the Luftwaffe, un jeu sorti en 2017 et développé par Handy Games. Et ici, c'est l'exemple type du petit jeu, puisque tout le principe de ce jeu qui est en 16 bits repose sur un concept simple, celui de la répétition. En gros, le principe, ça va être de diriger notre avion. Sans grande possibilité, puisqu'il tire tout seul, on a juste à le déplacer vers le haut, le bas, l'avant ou l'arrière pour éviter les tirs ennemis, comme dans un Manic Shooter, mais en version simplifiée. Et en abattant des adversaires, en abattant d'autres avions, on va récupérer des médailles. Au fur et à mesure du jeu, on va servir de ces médailles pour améliorer son vaisseau, ce qui permettra de finir les niveaux, puisqu'ils seront bien difficiles à finir au départ. Le jeu comporte plusieurs niveaux, chacun comportant plusieurs missions qu'on peut faire avec plusieurs avions. Pour débloquer ces avions, il faudra un certain nombre de médailles. Tout repose donc sur ces médailles, sur le fait de refaire les mêmes niveaux inlassablement. Ainsi, la durée de vie n'est pas très élevée, le challenge non plus, puisqu'une fois qu'on a compris le truc, on se contente de refaire les niveaux jusqu'à améliorer au maximum son vaisseau pour pouvoir affronter les boss et les vaincre. Le scénario ne va pas chercher très loin non plus. Et globalement, même s'il y a plusieurs niveaux, ils ont tendance à tous se ressembler. Il y a quand même quelques petites subtilités, notamment la possibilité d'abattre des chaînes d'ennemis pour obtenir des bonus et donc obtenir plus de médailles, réussir des objectifs secondaires qui souvent consistent à battre un ennemi en particulier qui apporte également plus de médailles, ou le fait dans les niveaux de pouvoir récupérer des soins, des attaques diverses, ou encore d'autres vaisseaux venant nous épauler. Globalement, ça se joue très facilement, c'est pas très cher, c'est un petit moment sympathique à passer, à raison d'une ou deux parties par jour. On s'attardera pas des heures dessus, étant donné que ça reste très très lassant. Mais c'est un petit jeu que je vous conseille d'essayer si vous le trouvez pour pas trop cher. Voilà. Si vous l'avez essayé, je vous invite à laisser un commentaire et votre avis sous la vidéo, si c'est pas le cas non plus d'ailleurs. Et je vous souhaite une bonne journée à tous.